théorie, monsieur Séguin. J'ai essayé de suivre vos traces comme les pichets, les Desjardins. J'aurais même taillé une place, pas rien que ces stands de magasins. Oui, t'en pas et puis t'effaces les défauts qui te font pas bien. Pour que ça pogne pour faire du cash. J'aurais voulu toucher des cannes. C'est plus de même, ça marche à star. À star, faut leur donner envie de nous acheter. Qu'importe le prix à payer. Monsieur Pichet, Monsieur Séguin, vous leur avez déjà tout dit, peut-être qu'ils écoutaient pas bien, ou ben y'a de quoi que j'ai mal compris. Comment ça se fait que ça a pas changé? Vous aviez tellement de bonnes idées. Faut croire qu'ils ont peut-être pas compris que c'est à eux que vous parliez. Pensez-vous qu'ils vont m'écouter? Moi, qui fais juste répéter ce que vous disiez. Je me sens comme Dupont et Dupont, ou plutôt juste comme le deuxième. Celui qui dit rien de plus au fond et qui répète toujours quand même. Si je me taisais pour de bon, ça réglerait pas mon problème. Je sais que je suis peut-être pas ben bon, mais c'est ce que j'aime être sur une scène. Monsieur Fiori, Monsieur Séguin, m'a essayé de suivre vos traces comme les pichets et des jardins. Peut-être que je me taillerai une place, pas rien que ces stands de magasins. Puis s'il ment pas ici, m'efface des défauts qui me vont pas bien. Je pourrais toujours faire une grimace. Je suis sûr que si je leur ouvre mon cœur, j'arriverai à toucher le leur. Si ça peut leur donner envie d'écouter, mais c'est un beau prix à payer.